La tempête qui a traversé notre pays ce matin a donc fait un mort. Une automobiliste est décédée après la chute d'un arbre sur son véhicule à Gré-d'Oiseau. Sur place, on va retrouver Fanny Dehaye. Bonjour Fanny. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour des lieux de l'accident. Oui, et il est toujours en vigueur. Vous le voyez sûrement derrière moi, les barrières Nadar, les véhicules de police. La police qui demande à tous les automobilistes de faire demi-tour et de passer par Amemille pour rejoindre l'endroit où ils voulaient aller. Tout simplement pourquoi ? Parce que les opérations de désincarcération et de dégagement de la chaussée sont toujours en cours. Un expert vient de quitter les lieux il y a de ça une vingtaine de minutes. Concernant la victime, il s'agirait, vous l'avez dit, d'une dame d'une quarantaine d'années, originaire d'Incourt, qui circulait ici sur la chaussée aux alentours de 10h30 quand un arbre s'est couché sur son véhicule. Elle serait décédée sur le coup, mais pour l'instant, aucune information supplémentaire. Je vous le disais, les opérations sont toujours en cours. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions. Les pompiers ont reçu de nombreux appels dans le Brabant Wallon en milieu de matinée et ont bien du mal à suivre. On va rejoindre Serge Vermeeren en direct de Braine-l'Alleud. Bonjour Serge, le toit d'une école a été endommagé. Bonjour. Oui, cela s'est passé en tout début de matinée, un peu après 9h, la école de la vallée de Bailly qui a connu une rafale de vent assez impressionnante et qui a bien provoqué quelques dégâts sur le toit d'un des bâtiments principaux du secondaire. Plusieurs plaques de zinc se sont décrochées du toit, sont tombées sur la cour de récréation. Heureusement, les élèves étaient déjà en classe de façon très assidue pour suivre les cours et donc il n'y a pas eu de blessés. Très rapidement, la direction de l'école a pris une mesure, c'est celle de confiner les élèves à l'intérieur, de ne pas sortir sur les cours de récréation. Les pompiers sont venus voir exactement pour voir ce qui se passait, mais voilà, on est en train déjà de réparer, de colmater un petit peu les dégâts sur le toit de ce bâtiment. Serge, les pompiers, on le disait, sont très sollicités. Exactement, et nous sommes ici dans le centre névralgique de la caserne de Braine-l'Alleud avec le lieutenant Van Lee qui, lieutenant, depuis ce matin, les pompiers de Braine-l'Alleud sont sur la brèche. Depuis 5h du matin, vous ne cessez de répondre aux appels. Oui, tout à fait. Donc, je dirais même pas que de Braine-l'Alleud, mais de toute la province, et ça s'étend à tout le territoire, effectivement. Pour la province du Brabant-Wallon, en tout cas, nous avons certainement plus de 70 interventions. Nous n'avons pas fini de les comptabiliser, étant donné que des interventions arrivent encore et sont encore en cours. Ces interventions vont parfois de l'inquiétude de personnes à des choses beaucoup plus graves, telles que le décès d'une personne que nous avons à déplorer dans les dégâts de tempête aujourd'hui. Parmi les interventions, quel type d'intervention, concrètement ? Alors, c'est majoritairement des dégâts sur les toitures, des arbres sur les toitures, sur les véhicules, des arbres qui encombrent la voie publique, et également des terrasses de café avec le mobilier qui est déplacé, le mobilier urbain, de différents objets qui sont emportés par la tempête, et alors également d'autres inquiétudes de personnes, et bien sûr les interventions quotidiennes qui restent toujours d'application, notamment les ambulances, les alarmes incendies, les incendies et autres. On pouvait s'attendre, on s'attendait à cette tempête. Vous étiez évidemment, j'imagine, prêt aussi, avec tout le matériel adéquat, prêt à intervenir. Oui, effectivement. Donc, les personnels sont vite remontés en caserne pour effectuer plus d'interventions. Au plus fort de la tempête, nous étions à 16 équipes techniques qui intervenaient sur le territoire. Donc, c'est un renfort. Donc, 16 équipes de 2 personnes au minimum. Donc, nous étions bien représentés. Nous essayons de répondre au maximum à la demande des citoyens. Exactement. Et comme vous le dites, eh bien, il y a encore plusieurs dizaines d'interventions, une trentaine qui sont sur ces ordinateurs répertoriés. Il faudra encore intervenir cet après-midi aussi. Et c'est important de le rappeler, c'est un message du ministère de l'Intérieur. N'appelez que le 112 qu'en cas vraiment d'urgence, en cas de danger de personnes qui seraient évidemment dans un incendie ou un grave accident. Sinon, évidemment, appelez le 1722 qui est un numéro d'urgence pour ce genre de catastrophe, sur ce genre d'opération avec des vents violents et donc de la tempête. Uniquement le 112 en cas d'urgence réelle par rapport à des personnes. Merci beaucoup Serge et merci à votre invité. Cette tempête a surtout touché la Flandre, mais aussi les provinces du Hainaut et du Brabant-Wallon, on vient de le voir, avec notamment des toits envolés, des images qui sont commentées par Aurélie Henton et Samuel Lerat. Une rafale, puis une autre, un échafaudage s'écrase, heureusement sans faire de blessés. Autre frayeur à Kontich, un arbre s'est effondré sur un bus scolaire.
Les 16 enfants et leurs accompagnateurs sont sains et saufs. Dans ce refuge de Mélin-l'Évêque, la toiture de l'écurie des ânes s'est décrochée, a été emportée par le vent en une pièce. La structure a fini son vol dans un autre enclos. Il était 9h, le personnel était sur place. Les ânes ont eu un grand stress au moment où le toit a commencé à s'envoler. L'équipe était sur place, donc on a assisté à la scène. Ça a pris quelques secondes en fait, mais heureusement, il n'y a que de la peur et pas de mal. Au-delà de ce stress passé, ils ont rejoint d'autres écuries, de nouveau bien au chaud. Et pour eux, ça ne reste qu'un vieux souvenir. Pour nous maintenant, évidemment, il faut gérer ces dégâts. Des dégâts matériels importants, entre 30 et 40 000 euros. À la même heure, à Charleroi, la tempête a là aussi fait des dommages. Cette toiture plate n'a pas résisté aux rafales. La structure a atterri sur le toit voisin. La maison qui a bougé, mais j'étais sorti tout de suite, j'ai regardé le toit qui est derrière, la plateforme, elle était tombée. Aux quatre coins du pays, des branches emportées, des câbles électriques au sol, des arbres ont cédé à Saint-Nicolas en Flandre, à Anu, à Grivenier, des toitures ont été arrachées et à Molenbeek, un arbre s'est effondré ce matin devant une école. J'ajoute que tous les vols sont annulés à l'aéroport d'Amsterdam de Schiphol à cause de ces vents violents. Certains vols ont été déviés vers Bruxelles.